J'ai dormi longtemps. Oh, t'as dormi toute la journée, mon pote? Et ça a marché? Ça a marché. Et je veux que ça a marché, ouais. Regarde ça. Cool. Et je crois même que la grognasse commence à y croire. T'es pénible, Vilrune! Ouais, c'est pas encore gagné, mais bon, ça expliquerait pas mal d'incohérences. Rien que le fait que les orques parlent italien. Mais c'est toi qui as demandé ça! En plus, comme ça, ils parlent un peu avec les mains. C'est quoi ce j'ai bordel là? Ça. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça, on s'est dit. Qu'on devait en profiter! Qu'on devait en faire profiter le monde! Mettre fin aux guerres, aux famines, à la cruauté humaine! Ah, mais ça peut marcher que si je choisis que ça marche. Bon, les petits brins de toilette. Au téléphone. De toute façon, mon côté dark pousserait plus à détruire le monde qu'à le sauver. Au fait, Yann, pourquoi vous avez une table et des chaises de jardin à l'intérieur? Mais parce qu'on n'a pas de jardin extérieur. Comme cela. Vous aurez écrit de partout. Moi, j'ai rien écrit. Si, juste un truc. Bon, en gros, vous voulez un souhait chacun? Ouais. Oui. Ok, mais des petits, hein, parce que j'en ai marre de pioncer. Moi, je vais pouvoir lire l'avenir. Ah ouais, c'est la classe, ça. Tiens, et toi, Yann? Moi? Bah si, moi, je veux une meuf. Faudrait qu'elle me kiffe grave. Puis qu'elle me trouve super marrant, même quand je suis pas marrant. Et puis physiquement... Une grande blonde suédoise. Et c'est ça, ouais. Comme ça je passe pour un con à côté. Non, moi ce que je voudrais c'est une petite brune. C'est un peu du sud. Ouais. Ok. Allez, vas-y, pousse-toi. Je fais les deux points. Et c'est parti pour la sieste. À ruspice. Tu verras, encore plus la classe. Chérie? Chérie? T'es voyante, toi? Aruspice. C'est bizarre, c'est comme si je le savais que depuis aujourd'hui, mais que je l'avais toujours été. Bon, faut que j'aille acheter de quoi pratiquer. Chérie? Chérie? T'es là, mon amour? Ouais, non. J'aurais dû m'en douter, c'était trop bon. Yann, je crois que c'est pour toi.